Hey tout le monde, c'est Shen Chewy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera 6 astuces secrètes d'Animal Crossing. Je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite. Ne plus montrer sa tête sur sa CR. Tout d'abord, vous devez vous rendre à votre photomaton, puis attendre que le deuxième compte à rebours soit terminé pour lancer l'expression pirouette. Et voilà, une CR originale et jolie. Avoir une boîte à musique. Vous aurez besoin d'un album, de kéké et d'un coquillage bénitier géant. Allez chez Revente et Retouche et donnez le tout à Serge. Et voilà un joli coquillage qui vous fera de la musique ou non pour égayer votre petite maison. Prochaine astuce. Avoir des poissons rares plus simplement et plus rapidement. Marre de jamais avoir de bonnes prises? Eh bien, cette astuce est faite pour vous. Allez sur l'île. Tout d'abord, courez tout autour de votre île pour effrayer les plus petits poissons afin qu'il ne reste que les plus gros. Dès que vous apercevez un aileron, plus qu'à lancer votre canne à pêche. À ce moment-là, fermez les yeux et fiez-vous au son du jeu. Dès que vous entendez que le poisson mord à l'hameçon, appuyez vivement sur. Et maintenant, à vous les gros poissons. Je vous conseille fortement cette astuce car les développeurs du jeu n'ont pas été très bêtes car ils ont fait exprès de mettre quelques millièmes de secondes d'écart quand le poisson mord à l'hameçon et que la canne à pêche bouge à cause du poisson, donc ça vous induit tout simplement en erreur. Comment avoir une maquette dinosaure? Tout d'abord, vous devez avoir 3 fossiles que vous venez de déterrer sous terre. Allez faire expertiser tout ça à Thibaut, puis tout donner à Serge. Et voilà votre minuscule dinosaure. C'est plutôt pas mal tout ça. Prochaine astuce. Avoir des glaces et des ballons. Alors vous allez me dire, oui, je sais comment faut faire. Faut se rendre à la place trespasse, etc. Alors moi personnellement, je sais comment faut faire. Pour la première rencontre, on trouve ça, la deuxième, ça, la troisième, ça, etc. Donc pour la première, deuxième et troisième rencontre du village témoin, vous aurez un ballon simple. Pour la quatrième rencontre, vous aurez un moulin à vent de n'importe quelle couleur. Cinquième rencontre, un ballon lapin. Sixième rencontre, un lance-bulle. Septième rencontre, un ballon cœur. Huitième rencontre, une glace. Et voilà, maintenant vous savez comment tout savoir sur ça. Changez la décoration du club MDR. Bien sûr, vous devez avoir le club MDR et rendez-vous-y. Mais avez-vous déjà remarqué cette petite scène avec ces gyroïdes? Allez sur la scène pour parler à l'un de ces gyroïdes. Après qu'il vous ait posé cette question, veux-tu échanger ce gyroïde? Bien sûr, marqué oui. Et à vous les super teufs. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao tout le monde, c'était Shine Cheerios.